Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau grand débat placé sous le thème « Modèle économique après le confinement ». Et comme vous le savez, adopté à hauteur de 2 975 milliards de francs CFA par les deux chambres du Parlement, le budget 2020 de la République du Congo a été revu à la baisse pour cause de coronavirus, s'établissant désormais à 1 083 milliards de francs CFA. Le coronavirus a ainsi affecté le modèle économique du Congo, dont les activités génératrices de gros revenus ont été bousculées par la crise du pétrole. Quel modèle économique, finalement, après le confinement, le Congo sera-t-il en mesure de relever dans un délai raisonnable les défis, notamment dans le social, qui vont se présenter à lui? Une fourchette de questions à laquelle nous allons répondre dans ce débat. Avec moi pour en parler, Monsieur Alain Kouala-Atipo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre et parmi les départements sous votre pilotage, les zones économiques spéciales, c'est bien ça? Exact. Et de l'autre côté, Monsieur Clover Hassan-Bouzir, vous êtes de la société civile, bonsoir. Bonsoir, monsieur. La toute première question, c'est de savoir comment peut-on, monsieur le ministre, définir un modèle économique dans la sphère macroéconomique? Merci de nous inviter de manière assez régulière. La question que vous posez est une question permanente et récurrente lorsque une nation veut se construire. Elle se construit politiquement, économiquement, etc. Dans le contexte actuel, on voit bien que cette pandémie a bousculé en fait tous les équilibres macroéconomiques de toutes les économies mondiales. Vous avez raison de dire que quelle économie pour le Congo après justement cette pandémie, mais j'ai le sentiment que, d'après certains spécialistes, que cette pandémie risque de perdurer encore 2 années, à tel point qu'on craint une résurgence, en fait, une nouvelle flambée, une nouvelle vague, vers octobre, novembre et décembre. Pour le cas du Congo, qui était déjà dans une situation macroéconomique extrêmement difficile, liée au contre-choc pétrolier que nous avons connu, il y a eu une légère phase de redressement avec un accord à minima tiré certain avec le Fonds monétaire international, et survient la crise du coronavirus qui impacte doublement en fait l'économie de notre pays, créant donc de la crise sanitaire à une crise économique qui risque de devenir une crise financière et sociale. Et donc il est clair que cette crise va jouer un rôle d'accélérateur de la pauvreté. Alors comment est-ce que le pays peut faire face à cela? C'est simple, si j'ose dire en parole, mais dans les actions, c'est plus compliqué. Il faut absolument diversifier l'économie de notre pays, comme le président a voulu le faire depuis 2009. Il faut créer ce qu'on appelle une économie fondamentale. Et pour arriver à tout cela, il faut une participation du monde, parce que nous ne sommes pas dans une forme d'isolationnisme. Donc il faut d'abord commencer par un certain nombre de préalables. Et l'un des préalables, c'est reprendre langue avec la communauté financière internationale. Ok, monsieur le ministre, nous sommes d'accord avec vous lorsque vous dites tout ça, mais la question c'est aussi celle de savoir quelle définition peut-on donner à un modèle économique dans la sphère macroéconomique. Ben, un modèle économique dans la sphère macroéconomique, vous savez, lorsque les États-Unis sortent de la crise de 1929, je crois que c'est Roosevelt, qui avait décidé de lancer une série de grands travaux. Donc on peut être soit dans une forme de keynésianisme, ou alors en s'appuyant sur la production, la consommation. Donc, sur le plan macroéconomique, vous pouvez décider de favoriser, enfin, de donner une orientation économique qui est peut-être poussée vers l'exportation, en tenant compte de vos avantages concurrentiels, ou alors la retourner vers une consommation intérieure. Et pour le cas du Congo, je pense que pendant longtemps, nous aurons voulu diversifier notre économie pour pouvoir faire face à cette espèce d'économie qui était portée par la mondialisation, parce qu'à cette époque-là, on va dire la composante la plus dynamique de l'économie mondiale, c'était l'investissement privé, c'est-à-dire qu'il y avait de l'argent dans le monde et on recherchait des destinations pour pouvoir investir. Et donc, nous voulions à l'époque le faire en tenant compte du fait que nous étions dans une sous-région et en même temps dans une réalité mondiale qui pouvait permettre au Congo de pouvoir participer, devenir un acteur, si je dis, actif de l'économie mondiale. Mais compte tenu de la situation actuelle, eh bien, il faut qu'on revienne, on se recentre sur notre marché local qui, prenons un exemple, on peut faire le choix, par exemple, et ça c'est mon point de vue, de l'agro-industrie, de l'agriculture. Et lorsqu'un pays importe chaque année 500 milliards, en produits alimentaires, ça veut dire que d'un côté, vous avez votre balance commerciale qui est déficitaire donc dans ce
sur ce volet-là. Et lorsque vous sortez 500 milliards chaque année de votre pays, ça veut dire que ça joue également sur vos réserves de change. Donc, nous savons aujourd'hui, ne fût-ce que par ces statistiques, que le Congo dispose d'un marché de près de 500 milliards de francs CFA. Donc, si demain nous décidons d'orienter notre économie sur l'agriculture, eh bien, ça peut avoir évidemment un impact macroéconomique positif. Monsieur Clovart, ça veut dire. Bon, merci, monsieur le journaliste. En ce qui concerne le contexte actuel, moi, j'ai toujours une position qui est claire. Ça veut dire que notre pays doit tenir compte de ses réalités sociologiques, culturelles. Le modèle économique qui tient dans le contexte actuel, c'est un modèle économique endogène. Il faut donc se baser sur un développement endogène pour qu'on puisse utiliser les ressources disponibles pour notre propre développement, de manière à ce que de la production à la consommation qu'on tienne compte de notre propre environnement, de nos propres consommateurs, de nos propres besoins. Parce que quand on dit développement, c'est d'abord comment nourrir sa population. On parle de développement quand on a développé les aptitudes à vêtir sa population, quand on a développé les aptitudes à éduquer sa population, quand on a développé des aptitudes à soigner sa population, quand on a développé les aptitudes ou les capacités à utiliser ou bien offrir de l'emploi à toute sa population. En ce moment-là, on peut parler d'un modèle économique réussi. Peu importe les théories cartésiennes, les théories des économiciens, des économistes plutôt. Donc, ce qui importe, c'est comment asseoir un modèle économique, une économie basée sur nos propres capacités. Que ça soit les capacités financières, que ça soit les capacités économiques, il faut qu'on tienne compte d'abord de nos capacités. Donc, déjà, le coronavirus est en train de montrer qu'il nous faut revoir le modèle parce que le modèle économique qui était mis en place par le Congo jusque-là, on peut à la limite l'appeler un modèle d'économie extravertie. Une économie de rente. Donc, une économie de rente qui ne compte que sur l'exportation, même pas de matières premières d'une manière globale, qui est de l'exportation du pétrole. Et ça, ça a été catastrophique parce que c'est une économie qui est volatile à partir du moment où elle tient compte, elle dépend des caprices du marché international sur le cours du baril. Et là, nous sommes arrivés à un point où nous devrons, pour moi, prendre le coronavirus comme une opportunité pour revoir notre modèle économique, pour revoir notre manière d'investir, de telle sorte que nous puissions d'abord compter sur notre propre effort avant de se tourner vers l'autre. Voilà, pour le moment, ce que je peux dire en ce qui concerne le modèle économique. Donc, je préfère qu'on prenne un modèle de développement endogène. Pour ajouter un mot, effectivement, un modèle économique endogène qui s'appuie sur nos ressources naturelles, mais que nous nous battons à transformer sur place. Parce que la transformation sur place, c'est créer de la valeur ajoutée. C'est toute une chaîne de valeur. Et quand on crée de la valeur ajoutée, eh bien, on crée des emplois, de la richesse, etc. Pour revenir au pétrole, c'est vrai. Vous avez parlé tout à l'heure de mes fonctions dans une vie antérieure. Le pétrole, effectivement, lorsqu'on l'exporte à l'état brut, il est aléatoire. Nous sommes dans une forme d'économie où on ne sent pas que nous faisons des efforts de production, etc. Donc, on a l'impression que l'argent nous tombe du ciel, d'où justement cette appellation un peu péjorative de l'économie de rente, où vous êtes quasiment sans rien faire de l'argent qui arrive. Et cette économie de rente crée une culture de la rente, et la culture de la rente crée la paresse et la corruption. Eh bien, mais sur la filière hydrocarbures, dans les études que nous avons faites à l'époque, eh bien, le pétrole raffiné sur place permet effectivement de développer près de 8 à 9, voire 10 filières. Voilà. Et de là, en même temps, on avait plus ou moins estimé le besoin qu'on aurait en ingénieurs, etc., avec normalement un impact sur la création de la richesse nationale. Donc, c'est vrai, il ne faut plus, je l'espère, et ça, je veux dire, c'est les générations à venir, avec peut-être l'aide des générations actuelles, ne plus avoir cette orientation économique héritée de la colonisation, et c'est le cas de tous les pays africains, où nous passons notre temps, en fait, à faire de l'exportation, à donner des terres à des puissances étrangères pour pouvoir produire des produits agricoles qu'en fait, ils vont exporter de notre pays pour alimenter, pour faire face à leurs demandes intérieures. Et pendant ce temps, nous, entre guillemets,
nous rendent faim, si j'ose dire. Ne nous nourrissons pas, en fonction de nos besoins. D'où les cuisses de poulet dont a parlé le président dernièrement. Dans mon introduction, j'ai rappelé aux téléspectateurs que vous avez occupé un département hyper important, celui des zones économiques spéciales. Oui. Je sais que vous n'êtes plus à ce poste, mais vous avez un regard là-dessus. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Écoutez, je ne peux pas vous dire précisément où est-ce que nous en sommes, mais je suis les choses. Je pense que le contexte du coronavirus actuel, avec ce qui se passe en Chine, va certainement demander au gouvernement de revoir un peu, son schéma. Mais ce qui est fondamental, c'est cette volonté de vouloir diversifier l'économie. Pour cela, vous m'avez parlé justement de mes fonctions intérieures, je peux vous dire que au niveau des pistes de relance de l'économie, certes, il y a tous ces efforts qu'il faut faire avec la communauté financière internationale pour reprendre langue avec elle. Là, il faut faire preuve d'une diplomatie économique assez agressive pour retrouver notre crédibilité, respecter les conditionnalités que nous avons définies ensemble. Mais il y a justement un pays avec lequel, quand j'étais à l'époque en fonction, nous avons signé un partenariat très important, c'est l'île Maurice. L'île Maurice avec lequel nous avons signé un accord sur le partenariat sur la zone économique spéciale d'Oyo-Lombo, nous avons signé un accord sur le tourisme, nous avons signé un accord sur la protection réciproque des investissements, et évitant bien entendu la double imposition. Et lorsque le président était à l'île Maurice en visite d'État en 2011, à l'époque c'est M. Ramgoolam qui était Premier ministre, eh bien, au cours d'une rencontre avec les quatre chambres de commerce de l'île Maurice, eh bien, il avait co-présidé un déjeuner avec celui qui est aujourd'hui le Premier ministre de l'île Maurice. Donc il était vice-Premier ministre chargé des questions économiques et financières. Et donc à travers des connexions que nous avons conservées, eh bien, c'est une piste. Et ce pays est disposé à étudier justement avec le Congo comment essayer de nous appuyer sur ses acquis et rebâtir quelque chose qui soit, j'allais dire, à la dimension du Congo. Parce que l'île Maurice, qui vit évidemment la crise du coronavirus, la vit différemment. Parce que, comme l'a dit notre ami, l'île Maurice a réussi à mettre en place un système d'éducation, à mettre en performant au niveau mondial, un système de santé. À l'île Maurice, vous rentrez à l'hôpital et vous ne sortez aucun franc. A réussi à développer l'industrie textile, pour vêtir justement la population, et bien entendu à diversifier l'économie sur le tourisme et également sur l'agro-industrie. Donc l'île Maurice n'importe pas les produits alimentaires, sauf cas exceptionnels. Mais en partant de quoi? En fait, à l'époque, de la canne à sucre. Et donc, les réflexions que nous avions à l'époque, et je me souviens, nous avions parlé à l'époque de la ferme des taureaux, c'était au lieu que les pays africains s'engagent dans une mécanisation agricole digne des pays industrialisés, l'île Maurice, par contre, avait commencé à faire de l'agriculture, de l'élevage, en s'appuyant sur les villages, en organisant les villages et les populations à l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est une piste aujourd'hui qui peut être exploitée par le gouvernement. Et les accords à l'époque ont été signés par le ministre des Affaires étrangères, Basile Ikoubé, et tout a été ratifié par le Parlement. Donc, c'est une corde à notre arc. Clover Saint-Bosir, entre le pétrole, l'agriculture, qui est quelque part embryonnaire chez nous, il faut reconnaître, le tissu industriel et le secteur des services, dans quel secteur d'activité peut-on générer de gros revenus pour faire une relance endogène? Bon, avant d'aborder votre question, je voudrais revenir sur ce que le ministre venait de dire. En fait, le grand problème aujourd'hui, c'est que ce que j'apprécie, c'est un homme de terrain. Je le vois sur le terrain en train de regarder la situation des citoyens. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est du concret. La population souffre. Les programmes qu'on a eu à mettre en place, zone économique spéciale, ça fait aujourd'hui plus de 10 ans pour certains. Ces projets n'ont pas vu le jour. Même là où on a commencé à faire, je prends la zone de Maluku, je crois, c'est comme ça qu'on l'appelle, le gouvernement avait prévu 290 milliards pour financement et en 2020, cette zone allait déjà prendre fin avec une création de 15 000 emplois. Aujourd'hui, aller à Maluku, 8 ans après que les investissements, parce que ça a commencé en 2012,
Quand vous regardez dans le budget, l'argent a été utilisé, regardez les lois de règlement, les investissements sur papier, c'est-à-dire que sur, on a eu à investir, mais dans la pratique, vous ne voyez rien. Et ça, le mal du Congo aujourd'hui, c'est que on passe de projet en projet et on compte sans réaliser, mais on ne fait que dire on va faire ceci, on va faire cela, sans avancer. Pendant ce temps, quand vous regardez l'exécution budgétaire, ces fonds sont utilisés, on se demande où. Voilà le vrai problème actuellement qui se pose avec acuité à notre pays. Le grand problème, c'est que vous, lorsqu'un pays veut accéder au développement, il doit choisir le secteur moteur du lancement de la croissance. Et le secteur moteur, au regard des conditions naturelles qui se présentent à notre pays, le choix du secteur moteur, à mon avis, doit être le secteur agricole. Pourquoi ? Comme le ministre venait de le dire, il n'y a pas de développement réel sans développement de paysannerie. Il n'y a pas de développement de paysannerie sans développement de l'agriculture. Et ce dernier n'est pas possible sans amélioration des facteurs de production. Et quand je parle de facteurs de production, vous pouvez voir d'abord le facteur humain, le facteur travail. Vous pouvez voir le capital physique ou des intrants. Vous pouvez voir, donc, vous avez toutes ces histoires-là qui manquent d'abord dans notre pays. Voilà pourquoi il faut passer par l'accumulation du capital. Tant que nous n'allons pas renforcer les capacités de manière à ce que nous puissions, en ce qui concerne le capital physique ou innovant, que nous puissions faire des efforts pour choisir comment l'agriculture doit être développée aujourd'hui, on n'a pas à perdre du temps parce que le Covid va perdurer, les pays risquent de se rétracter des exportations pour concentrer leurs aliments pour leur propre population. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant là? C'est maintenant là qu'il faut dégager un programme urgent pour relancer l'agriculture en utilisant la main d'œuvre disponible. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Nous sommes dans nos maisons, à table, à midi, quand nous mangeons. Si vous n'avez pas le manioc, vous avez le foufou. Mais qui le produit? C'est le pauvre paysan avec la houe, avec la machette, qui, malgré ses conditions de vie désastreuses, malades, malnutris, vieillesse, mais c'est eux qui produisent le foufou que nous mangeons à table chaque midi, nous les cadres, nous les ministres, nous les grands directeurs dans ce pays. Mais nous mangeons ce que ce pauvre paysan qui vit dans des huttes produit. Mais malgré ça, tout l'argent que le Congo obtient, au lieu de voir comment faut-il appuyer, ce n'est même pas la gentillesse ou bien de l'aide. Ça veut dire qu'il faut mettre en place un mécanisme qui va permettre à ces paysans qui sont déjà une main-d'œuvre valable, valide, qui travaillent malgré les difficultés actuellement, qu'on leur crée des conditions pour qu'ils lancent, qu'ils développent l'agriculture. C'est pas si on se rend compte de ce que nous sommes en train de vivre. Dernièrement, j'ai vu à la télévision le gouvernement recevoir le manioc, les tubercules de manioc produits par les Chinois. Et on est en train de les distribuer à nos moments. Attends. Nous sommes un, c'est comme si le Congo apportait de la pomme à la France. Nous sommes un pays, le manioc, c'est ce qu'on appelle notre aliment de base. Nous sommes incapables de le produire au point où, quand nous avons des difficultés, c'est le Chinois qui a quitté très très loin pour venir faire le manioc, qui nous le distribue. C'est gênant. Voilà pourquoi je dis, nous allons aborder comment faut-il faire tout à l'heure, si vous le permettez. On va présenter des modèles. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement si on veut quitter ce modèle économique pour un modèle qui puisse permettre réellement un développement en deuxième, qui puisse tenir compte des réalités pour que les gens puissent manger à leur faim, pour qu'on soit capable de soigner les gens, pour qu'on soit capable d'éduquer, pour qu'on soit capable de créer l'emploi à travers tout le pays. Tant qu'on ne crée pas de ces conditions, tel qu'on est en train de faire, c'est gênant qu'aujourd'hui, on s'oriente vers l'étranger pour dire, il faut qu'on nous donne de l'argent. Il faut qu'on nous donne de l'argent. Ça veut dire que si aujourd'hui, le FMI ne donne pas de l'argent, le pays est cuit. Tel que on suit le raisonnement de tout un chacun aujourd'hui à travers le pays. On a vu même, par exemple, le président de l'Assemblée nationale demander l'humanité du FMI pour nous donner de l'argent. C'est ridicule pour un État. Nous sommes un État. Vous dites souverain, souverain. En quoi nous sommes un État souverain si nous ne sommes pas capables de nourrir notre population? Je pense que le plaidoyer du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mbouba s'exprime au nom du peuple, si j'ose dire, parce que l'Assemblée nationale est composée de députés qui vont dans les circonscriptions. On en a vu certains aller distribuer des masques, essayer d'être proche des populations, donner de la farine, etc. Et donc le remonter
de tout cela, le retour de tout cela, bon, arrive quand même à l'Assemblée et au président de l'Assemblée nationale. Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, il y a une sorte d'accélération de la pauvreté à partir du coronavirus. Et nous savons que les dernières décisions prises par le Fonds monétaire international vont impacter non seulement sur le fonctionnement de notre État, mais surtout au niveau des populations. Donc, il est assez normal que le président de l'Assemblée nationale fasse preuve de cette de ce plaidoyer, et c'est une forme de diplomatie parlementaire aussi, mais qui doit être relayée par d'autres institutions. Mais le modèle économique, voyez-vous, les grands pays se sont rendus compte que la mondialisation heureuse a créé une espèce d'interdépendance, et je dirais même de dépendance finalement, mais parce qu'à un moment donné, la financiarisation de l'économie a fait que tout le monde voulait aller là où les coûts de production, le coût de la minute industrielle n'était pas très élevé. Ce qui est le cas également de notre pays. Mais face à cette crise, les pays sont en train d'étudier comment se recentrer sur eux-mêmes. Vous voyez, dans un pays comme la France, on parle de relocalisation. Il faut se souvenir qu'il y avait quand même Arnaud Montebourg, qui était à l'époque ministre de la réindustrialisation de la France sous le gouvernement Hollande. Il y avait même des contradictions entre certains membres du gouvernement. C'est une question d'école de pensée et d'école de pratique. Mais aujourd'hui, on parle maintenant d'une économie circulaire. C'est-à-dire que mettre en place une économie interne à la France et où les circuits de distribution de consommation sont identifiés et donc participent à une forme de création de la richesse locale. Et ça, c'est une réflexion que nous pouvons, nous ici, également enclencher. Et pour cela, il faut très vite, et je l'espère, que nous tirions les leçons des grosses erreurs, voire des fautes que nous avons commises. Et je dois dire que moi-même, en ayant été en responsabilité, je me sens comptable de cela. Quand j'entends monsieur parler de toutes ces sommes qui ont été dégagées, des projets qui sont à l'arrêt, peut-être parce que nous étions dans une espèce d'euphorie généralisée. Une euphorie occasionnée par, j'allais dire, les effluves du pétrole. Mais aujourd'hui, la réalité est là et il faut plus se lamenter, il faut faire face et prendre ses responsabilités. Et s'il faut qu'il y ait des compatriotes qui sont des frères, des amis, etc., qui, au nom de l'intérêt général, doivent tirer les conséquences de leur action, eh bien, qu'il tire ses conséquences. C'est ça aussi la responsabilité. S'il faut que nous passons par des décisions que, humainement, elles nous paraissent difficiles à prendre, mais au nom de l'intérêt supérieur du pays et de la sauvegarde de l'unité de notre nation, parce que vous voyez bien ce qui se passe actuellement, il y a un discours un peu de polarisation politico-ethnique du pays, et c'est lié à quoi ? Lorsque vous avez un background de crise économique, de crise sociale, etc. Donc, au nom de tous ces intérêts, il faut que nous soyons capables de faire preuve de transcendance, à commencer par le président de la République. Lorsque j'écoute M. Plevin-Saint-Bozir, et finalement il a répondu à la deuxième question, il a choisi l'agriculture comme secteur de relance de la croissance. Est-ce que ça veut pour autant dire, M. le ministre, qu'il faudrait tourner le dos au pétrole ou au secteur des BTP qui devrait être en berne pour booster le secteur agricole ? Non, quand on parle de secteur agricole, eh bien, le secteur agricole être choisi comme secteur pilote. Il faut créer les conditions pour que ce secteur pilote devienne efficace. Et pour créer les conditions, il faut qu'il y ait un environnement d'infrastructures, de ressources humaines, de financement. Voilà. Donc, les BTP ne peuvent pas être négligé, mais pour faire l'agriculture, il faut être capable d'emmener de l'eau, pour faire du drainage de l'eau, il faut préparer les sols, préparer les terrains, former la ressource humaine. Et d'ailleurs, dans les fonctions antérieures, c'est Oyo Lombo qui avait été retenu pour devenir une espèce d'agropole. Et cet agropole, il y a des études qui ont été menées du point de vue, de la construction des infrastructures et le montant pour réaliser de mémoire cette première composante justement de la zone écosystémique de Lombo était de 59 milliards, ce qui était ridiculement bas par rapport aux 600 milliards
que nous avons dépensé pour faire des municipalisations ici et là. Alors, donc, c'est une question de choix et de volonté politique. Il faudrait donc investir à oui, l'agriculture, pour apporter de l'argent, l'agriculture, mais créer tout l'environnement infrastructurel, humain, et à partir justement de la création de la richesse nationale qui sera produite de ce secteur locomoteur, c'est pas dire qu'on va abandonner le pétrole, mais il faut avoir une stratégie de développement et un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple indépendant. Un est-ce peuple qui n'est pas capable de se soigner ne peut pas être un peuple indépendant. Est-ce que ça veut dire que le pétrole a encore ses beaux jours au Congo? Écoutez, le pétrole a eu ses beaux jours, il aura ses beaux jours. Mais je crains que lorsqu'on fait une analyse prospective du marché pétrolier mondial, sauf crise militaire dans le golfe Persique ou le détroit d'Hormuz, je crains que nous n'ayons plus la possibilité de rentrer dans ce pays un pétrole à 80 ou à 100 dollars comme nous l'avons eu. Et ça, c'était déjà anticipé depuis le travail que j'avais fait depuis les années 2010. Donc, ce qui veut dire que le pétrole, il est là, mais il faut tenir compte du fait que un pays comme les États-Unis a réussi à développer le pétrole à partir du gaz de schiste, le Canada, etc. Donc, le seul gros consommateur aujourd'hui, c'est la Chine. Mais la Chine aussi, quelque part, était déjà dans une espèce de baisse, si vous voulez, de sa production industrielle. Donc, il faut que nous tenions compte de ça. Le pétrole sera toujours là. Même pour nos propres consommations intérieures, on peut développer demain des produits à partir du pétrole pour arriver jusqu'à avoir de l'urée pour faire de l'agriculture. À partir des torchères de pointe noire, on peut arriver à faire de l'urée. Alors imaginez les torchères qui sont en pointe noire, brûlent depuis combien d'années? Depuis que nous sommes indépendants. Et c'est là une richesse que nous n'arrivons pas à valoriser du point de vue de la chaîne de valeur. Des torchères, on peut arriver à sortir de l'urée qui demain servira une agriculture qui sera de consommation interne et peut-être aussi le marché de Kinshasa. Nous allons prendre une pause et puis nous allons revenir toujours avec cette question, mais cette fois-ci, je m'adresserai à vous, Monsieur Clovasan Bozir, parce qu'il faudrait dire que finalement, pour financer le secteur agricole, puisque selon vous, c'est le secteur porteur de croissance de demain, pour un modèle économique endogène, il faudrait quand même regarder du côté du pétrole. Vous allez répondre juste après cette pause que nous prenons à tout à l'heure. Modèle économique après le confinement, c'est le thème de ce débat avec moi sur ce plateau, Monsieur Alain Kouala-Thibault, ancien ministre et parmi les départements sous son pilotage, les zones économiques spéciales, et Monsieur Clovin Hassan Bozir, société civile. La question vous a été posée, est-ce qu'on devrait regarder beaucoup plus souvent du côté du pétrole pour financer le développement du Congo à partir du secteur agricole comme modèle économique endogène? Bon, en fait, quand on choisit le secteur moteur du lancement de la croissance, il faut au même moment choisir quel est le secteur de financement, le secteur qui va financer ce développement. En réalité, les atouts qu'a le Congo, c'est que d'un côté, il y a les potentialités naturelles qui sont propices au lancement de l'agriculture, et de l'autre côté, il a le pétrole qui peut permettre de mobiliser les ressources financières pour financer son économie. Tout le problème aujourd'hui, c'est parce que le pays a une dette qui est insoutenable. Déjà, quand je suis en train de remettre en cause la main tendue vers l'extérieur pour avoir de l'argent, c'est parce que déjà nous en avons assez. Nous sommes à 5 747 502 000 de dettes au 19 octobre 2019. Ça, c'est la dette du Congo d'une manière globale, avec 3 980 000 pour la dette extérieure. Nous n'arrivons pas. Et déjà dans le budget de 2020, avant qu'il ne soit rectifié, nous étions avec les charges de trésorerie qui étaient à 601 milliards rien que pour le remboursement de cette dette, 200 milliards pour pour les emprunts obligataires. Donc on était à 801 milliards qu'il fallait trouver au cours de cette année 2020 pour faire face à cette dette. Cela asphyxie l'économie, empêche les investissements dans les secteurs qui peuvent relancer la croissance.
avec déjà ce déficit-là, nous ne pouvons plus continuer à tendre la main à l'extérieur pour vouloir développer notre économie. On va s'asphyxier au point où ses partenaires ne pourront pas nous lâcher. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le pétrole? J'arrive. Une parenthèse. Est-ce que ça veut dire que les investisseurs étrangers ne viendront plus par rapport à tous ces chiffres que vous annoncez? Non, c'est pas ça. Ça, c'est la dette du Congo. C'est pas ce qui va empêcher les investisseurs de venir. Ce qui empêche les investisseurs de venir, c'est le climat des affaires. Qu'on n'arrive pas à améliorer malgré tout ce qu'on dit, ça fait que les investisseurs ne peuvent pas venir dans un pays où les indicateurs sur le climat des affaires sont nuls. Voilà la difficulté de notre pays. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Comment le pétrole peut servir? C'est une proposition qui émane de ma pensée. Je prends l'exemple, nous avons aujourd'hui des champs pétroliers qui arrivent à maturité. C'est-à-dire les champs que les sociétés pétrolières Eni, Total et autres ont exploité pendant 40 ans, 30 ans, ils ont quitté, ils nous les laissent en état où ça peut encore fonctionner pendant 20 ans. Au lieu de continuer tel que ça se fait aujourd'hui, de droit ça revient à l'État congolais, qu'est-ce que la SNPC qui gère fait? Bon, on remet, on prend AOGC, on prend Congorep, on prend MLA, on les associe, maintenant c'est eux qui profitent. Ils n'ont rien. S'ils veulent du pétrole, ces sociétés de nationalité privée nationale doivent faire l'exploration pour arriver à leur propre champ. Ces champs-là, on peut les utiliser en négociant avec la Chine qui détient 40% de notre dette. On dit, tiens, écoutez, nous avons des champs arrivés à maturité qui nous reviennent désormais. On peut les exploiter pendant 20 ans, 30 ans encore. Au lieu qu'on te paye ta dette, nous, on n'arrive pas. Prends ces champs, rentre avec la SNPC. Tu exploites ces champs, comme ça tu récupères ton argent. Entre-temps, donne-nous 1000 milliards, 2000 milliards pour que nous on relance notre économie. Mais toi, on te paye plus ta dette. Tu vas exploiter ces champs. Les 20 ans que nous, on allait exploiter là, toi, tu continues. Nous, on a beaucoup de champs qui arrivent à maturité aujourd'hui. Cela va aider le Congo à sortir de cette asphyxie et financière où il n'arrive pas, où il faut courir derrière les gens aujourd'hui pour avoir l'argent. On fait les caprices à notre pays pour nous donner de l'argent. Alors, qu'est-ce que cet argent va servir? Ce n'est pas l'argent, il faut faire comme ils font là, parce que déjà moi, je le dis, j'ai une position qui est claire avec cette équipe gouvernementale, on ne peut rien faire. C'est comme si on a donné à M. Mwamba un véhicule où on a mis des pièces qui sont foutues, on dit conduit. Le véhicule ne peut pas aller loin. Et il faut, les gens qui ont mal géré, qui sont à l'origine de cette crise ne devraient plus être là. Il faut réduire l'équipe gouvernementale pour prendre les vrais technocrates qui sont capables de faire face à la situation actuelle. Faut pas avoir peur de dire la vérité devant les situations qui se prévoient dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? En ce moment-là donc, on va rester avec le seul créancier qui va peut-être nous nuire, les traders. On peut négocier en ce moment-là avec eux parce que la Chine, on pourra trouver. Le Sri Lanka a fait comme ça. Quand il a eu des difficultés à rembourser sa dette, il s'est tourné vers la Chine. La Chine, c'est ce qu'il cherche. La Chine a dit, écoutez, moi, je gère votre port pendant un siècle. Ce qui est dommage. Mais c'est ça la conséquence d'aller prendre l'argent sur l'autre. En ce moment-là, donc, nous nous libérons de la dette avec la Chine en lui cédant les champs qui nous appartiennent, qui nous appartiennent aujourd'hui que la SNPC s'associe aux sociétés nationales privées pour l'exploiter. Encore, il faut qu'on voit quels sont les propriétaires de ces sociétés nationales privées. Ce sont les hommes politiques moins exposés. Donc, on sait déjà que ce sont les gens qui sont au pouvoir, qui eux-mêmes créent des sociétés privées comme actionnaires et prennent, c'est le pétrole qui revient au Congo. Il faut qu'on soit honnête si on veut aider le président de la République à sortir de cette situation et il faut prendre des mesures qui puissent permettre de faire respirer la situation financière de notre pays. Si on fait comme ça, si vous permettez, une fois que on a libéré la partie qui asphyxie l'économie à cause de la dette, on concentre en proposant un développement qui soit un développement par secteur local, qu'on enlève le pouvoir au gouvernement central dans les investissements qui sont à grande échelle, qui ont pris beaucoup d'argent quand le ministre venait de là avec la municipalisation accélérée, où au lieu de faire des projets qui sont rentables, on a fait des projets de distraction qui n'ont rien apporté au Congo. Aujourd'hui, on peut par exemple créer dans chaque région, avec les fonds qu'on peut mobiliser, une banque de développement locale. En mettant, je prends un exemple simple, seulement 100 milliards dans une zone. On peut essayer. Qu'est-ce que ça va faire? On crée des sociétés de prestation de services. Au moment où je parle, nous avons un réseau de 500 ingénieurs qui sont formés par l'État congolais.
Nous voulons à tout prix aider le Congo à faire un projet de développement agricole qui puisse permettre de sortir le Congo de la crise. Il faut encore que le gouvernement nous accepte. Mais nous sommes là, les cadres formés, qui certains sont devenus des docteurs en la matière. Nous sommes 500 ingénieurs. Nous voulons dire au gouvernement, on ne peut pas continuer à vivre sans manger, en mangeant, comme le président l'a dit, les cuisses de poulet où on ne produit, on ne sait où. C'est pas possible. Il faut qu'on change. Donc, grâce à ce modèle-là, qu'est-ce qui va se passer? Les sociétés de prestations agricoles vont permettre le développement de l'agriculture dans chaque zone. Je prends l'exemple, comme je reviens à ce que le ministre a dit, Etoro. On dit, écoutez, la zone de Gomoma, on veut faire de cette zone-là une zone de la production porcine. Nous voulons avoir 2500 producteurs de porc. Et la banque de développement locale là va financer les sociétés de prestation de services qui vont encadrer, de payer leur, faire payer leurs services à ces paysans. Les paysans en même temps vont bénéficier, eux, leurs services là seront, ils bénéficieront des crédits qu'on appelle les prestations, comment on appelle les crédits, comment on appelle ça, donc ils vont bénéficier des crédits où ils n'ont pas de l'argent mais ils ont les services, mais directement ils sont payés. En ce moment-là maintenant, quand le porc dans cette zone, vous avez à avoir 2000 producteurs de porc, vous connaissez comment un seul porc produit, ce porc-là on ne veut pas le gérer comme ça. Dans la zone de Yo par exemple, on fait des sociétés de comment on appelle ça, de charcuterie qui vont faire la transformation du porc en le mettant dans des cartons, je parle le mot simple pour que la population comprenne, pour que ça soit comme on dit les côtes. Au lieu d'importer les côtes, cette zone-là va produire le porc l'est transformé au yo, le yo on fait valoir ce porc-là pour que la route soit utilisée pour amener cela sur le marché local, c'est-à-dire Brazzaville et Pointe-Noire. Ça c'est dans un premier temps, comme on pourra aller de l'avant avec cette production, on pourra maintenant commencer à fournir l'extérieur, le Gabon, les autres pays avec ça. Vous prenez la zone de Ngo, vous dites, écoutez, cette zone-là, nous allons développer le manioc, nous allons développer l'arachide, nous allons développer ceci, cela. Qu'est-ce qu'on fait? Les mêmes sociétés de prestation de services qui sont créées grâce à l'appui de cette banque de développement local, va donc, ils vont prêter leurs services aux paysans. Vous dites, dans cette zone, il nous faut avoir, par exemple, 5000 producteurs d'arachide. Donc, chacun, par exemple, a 1 hectare, 2 hectares, je ne sais pas, on appelle ça crédit fournisseur. Ils vont bénéficier de ce crédit-là parce que les tracteurs, c'est les sociétés de prestation de services qui les détiennent. Ils prêtent leurs services au niveau de ces populations, de ces paysans. Grâce à cela, les paysans ne vont plus souffrir avec la houe. Les sociétés leur prêtent de services. Ils vont prendre les crédits au niveau de cette banque. La banque fournit en même temps les paysans. Et à la fin, il y a une société de collecte de tous ces produits qui passe. Et on peut dire, bon, écoutez, si on veut faire de Yo toujours une base, en ce moment-là, la transformation, soit sous forme de l'huile, soit sous forme de pâte d'arachide, soit sous forme de on met les structures de transformation en n'appuyant pas des sociétés de l'État comme ils créent, mais en faisant valoir, c'est là où je parle de capital physique et innovant. En ce moment-là, donc, vous avez les jeunes qui sont formés. Grâce à cela, nous allons arriver à ce qu'on appelle l'externalité positive. C'est-à-dire que le capital, vous voulez m'arrêter, allez-y. Non, allez-y, allez-y. Ah, d'accord. Allez-y, juste à la fin de l'idée avec le capital. Voilà. Donc, vous avez donc, en ce moment-là, donc, l'accumulation du capital qui va permettre l'externalité positive. Ça veut dire quoi? Nous allons donc mettre l'accent sur le capital physique et innovant. Quand Rostow lui-même, si c'est un économiste américain, disait, lorsqu'un pays veut se développer, il doit investir dans les, il faut qu'il y ait des hommes capables de prendre les risques d'investir dans des secteurs innovants. Donc, si nous réussissons à investir en apportant le capital physique va permettre que nous puissions avoir la possibilité de développer nous-mêmes les capacités techniques pour se développer. Et de l'autre côté, nous avons le capital humain. Nous allons avoir, je termine, le capital humain qui va permettre que nous puissions avoir les connaissances, la formation. Grâce à ça, à partir de ce moment-là, les entreprises, comme le capital humain est formé, n'ont plus besoin à souffrir pour former le personnel. Est-ce que je peux rajouter tout de suite, il y aura l'embauche. Okay. Tout ce raisonnement est magnifique, mais tout ceci avait déjà été conçu, enfin, pensé. Vous savez,
lorsque nous commençons la réflexion économique stratégique sur la diversification de l'économie. Nous avons eu le privilège de recevoir dans ce pays Peter Mandelson, qui a été commissaire européen, ami de Tony Blair, qui a pensé le nouveau parti travailliste qui a permis à Tony Blair d'arriver au pouvoir. Avec cet homme, nous avons fait quasiment tout le pays. Et nous étions en voiture de Brazzaville à Rio, Pointe-Noire, et j'ai vu ce monsieur appeler Tony Blair pour dire qu'il était émerveillé par le pays. Deuxième personne que nous avons reçue, nous sommes dans les années 2010-2011, nous avons reçu ici Paul Romer, qui a eu le Nobel d'économie en 2018, je crois. Donc nous avons été avec cet homme à Oyo-Olombo, à Pointe-Noire et à Madiwuka. Donc ça montre le niveau auquel nous avions porté la réflexion économique concernant notre pays. Tout cela existe. Mais pour revenir justement sur son idée, le secteur pétrolier pour impulser le développement de l'agriculture. Dans une vie antérieure, moi j'ai travaillé au comité de privatisation dans les années 95-97, ensuite j'ai poursuivi en 98 sous le vieux Gérard Tindou. Et en même temps, j'ai un contrat à la SNPC qui avait besoin à l'époque d'une communication pour sa crédibilisation ou ça, ou la justification politique de l'existence de cette entreprise. À l'époque, Bruno Etoy, ministre Bruno Etoy, était le PDG de la SNPC. Et moi, par rapport justement à l'expérience que j'avais vécue au niveau du processus de privatisation des entreprises publiques, j'avais constaté que tous ceux qui venaient, en fait, tous ceux qui étaient intéressés par la privatisation dans notre pays, les secteurs privatisables, eh bien, c'était les secteurs stratégiques. Donc l'eau, l'électricité, les hydrocarbures, le téléphone, le port, le chemin de fer, etc. Donc, tous ces secteurs stratégiques qui intéressent des investisseurs internationaux, qui dans leur stratégie mondiale, savent pourquoi elles doivent venir dans notre pays et s'occuper uniquement de ces secteurs. Par contre, il y avait un secteur comme celui d'entretien routier, avec l'OCR, qui a disparu, avec les conséquences que nous connaissons. Il y avait également l'OCV et l'OCC, qui s'occupaient du café, du cacao, etc., et qui ont été abandonnés. Et de mémoire, il faut quand même le dire, que sous le mandat de Sassou 1, lorsque le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont exigé la privatisation de l'OCR et de l'OCC et de l'OCV, donc du côté de Wesso, le président avait dit non si on ne trouve pas une solution de rechange. Donc, il perd le pouvoir et le président de Souba qui arrive avec le ministre Moula accède justement à cette demande. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que, quelque part, toute la filière café-cacao s'est effondrée, alors qu'à l'époque, du côté de Wesso, on savait quand même qu'il y avait une économie qui garantissait un niveau de vie au niveau local. Alors, quand j'arrive à la SNPC, ayant observé tout ça, parce que j'avais un pied du côté de la SNPC et un autre du côté du comité de privatisation, j'ai donc dit à M. Brunet à l'époque, je dis, mais il faudrait peut-être qu'un jour la SNPC songe à créer une espèce d'holding pour pouvoir investir dans des secteurs que, au niveau économique, on considère comme étant le second périmètre. Donc, ce qui n'intéresse pas les investisseurs internationaux de premier plan. Donc, c'est vrai que la SNPC, après, a créé, je crois, une fondation, mais ce qui serait bien, c'est qu'elle puisse avoir une vision d'holding. Là, j'espère que le PDG actuel de la SNPC pourra retenir cette idée, pour que dans cette période où on aura forcément du mal, même si c'est vrai, une économie ne peut pas se développer sans investissement direct étranger, mais pour l'instant, il va falloir compter sur nos propres forces. Donc, je pense que la SNPC également, dans sa restructuration, peut aller dans ce sens-là pour reprendre un certain nombre de, donner une espèce d'impulsion dans le secteur agricole. Est-ce que le défi des hommes ne se pose pas en ce moment-là? Oui, le défi des hommes se pose. Je parle des hommes dans la bonne gouvernance. Mais bien sûr. Bien sûr, la bonne gouvernance, le défi se pose. Mais il y a surtout la culture du travail, cher ami. Est-ce que nous pouvons, si on mène aujourd'hui une étude sur la productivité moyenne d'un fonctionnaire de l'État congolais, comparé au Camerounais, comparé au Gabonais, comparé à la RDC, nous sommes en dessous de tout. Pourquoi nous sommes en dessous de tout? Mais parce que nous sommes le seul pays au monde qui travaille une demi-journée. C'est pas possible. On ne peut pas vouloir développer un pays et l'administration publique
qui est le premier acteur, le premier interlocuteur des investisseurs, eh bien, à 14 heures ferme. À ce moment-là, celui qui veut investir dans notre pays se rend compte qu'il y a la même possibilité au Cameroun, mais l'État camerounais répond beaucoup plus de manière proactive, il va aller au Cameroun. Donc, je pense qu'il faut une réflexion sur le fait qu'il va falloir que nous revenions au fait que l'administration doit travailler matin, après-midi. Et je pense que même sur le plan économique, si on fait une étude sur ce plan-là, on pourra se rendre compte que le fait de travailler matin, après-midi, ça peut créer quand même une petite effervescence économique. Ça peut créer des activités de service autour des bureaux, parce que vous avez les cadres, si vous finissez à midi, de reprendre par exemple à 14 heures, ben vous allez pouvoir manger dans un restaurant qui est tout à côté. Au lieu d'avoir des cadres qui, une fois qu'ils ont fini, ben, se retrouvent à Feignon, j'en ai fait partie, se retrouvent dans les bistrots. Donc ça, c'est important. Mais non, c'est vrai. Autour de cela, il faut qu'il y ait une culture politique de la responsabilité et de la sanction. On ne peut plus continuer comme ça. Oui, je suis d'accord avec Monsieur le ministre, c'est vrai, mais le grand problème sur compter sur notre propre ressource, comme vous le dites, c'est juste le mal du Congo aujourd'hui, c'est que je ne vois pas que nous ne voulions pas compter sur nos propres ressources, c'est que on n'en a pas. Les ressources qui pouvaient permettre, dans les conditions actuelles, de créer les conditions propices à un vrai développement, ont été dilapidées. Pourquoi je le dis? Quand vous faites l'analyse financière des données produit par le ministère des Finances de 2002 à 2018, ces données ont été examinées, contrôlées par la Cour de compte et de discipline budgétaire. Ces données ont été examinées et adoptées par le Parlement. Ces données ont été promulguées sous forme de loi de règlement par le président de la République. Disent que le Congo a eu à mobiliser comme recette 33 000 milliards de francs CFA et il en a dépensé 27 400 milliards de francs CFA, soit un excédent positif de 5 600 milliards. Aujourd'hui, en dehors de ce que les gens parlent de fonds de compte de stabilisation de ceci, cet argent est où? Pour que nous soyons maintenant en train de solliciter de l'argent partout. Le président de l'Assemblée, avant de parler de l'humanité, des partenaires qui doivent, c'est lui son rôle, il doit demander au président de la République où est passé cet argent. C'est ça d'abord la responsabilité qui incombe aux citoyens. Nous sommes les gens qui travaillent pour le compte de l'État, sont au service des citoyens. Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent pour que le Congo ne puisse plus être en mesure de faire face à ses propres besoins pour courir ça et là afin de mobiliser un peu d'argent sous forme de prêts alors que nous sommes déjà super, hyper endetté. Voilà ma difficulté sur la proposition. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Donc, pour essayer d'avancer, notre pays doit faire un effort de faire appel à ceux qui sont capables de travailler dans les conditions actuelles. Ça veut dire que, en ce qui concerne la production agricole, moi, je propose qu'on fasse appel à l'armée. L'armée a une discipline et il a une expérience qui est en train de marcher actuellement. Quand vous allez à Pointe-Noire, vous allez dans la cuvette, vous allez voir que ces zones ont commencé à développer l'agriculture pour qu'ils se prennent en charge l'alimentation des militaires. On doit bien traiter nos citoyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser l'armée dans le projet de relance de agricole actuel. On peut, par exemple, mettre d'urgence là le gouvernement, doit mobiliser au moins 100 milliards et dire, bon, les 100 milliards, vous associez la Direction Générale de l'Agriculture, vous associez l'armée pour dire, écoutez, il nous faut développer l'agriculture. Au bout de 3 mois, on commence à envahir ce marché. Au bout d'une année, on a ce qu'il faut pour commencer à nourrir nous-mêmes d'abord notre population. Et l'autre élément, c'est ce que le ministre a dit, d'urgence faire un vrai programme de réforme de l'éducation pour que on puisse réellement mettre un accent très particulier sur le capital humain. Et de l'autre côté, sur le capital public, l'État doit maintenant faire un effort pour qu'il soutienne avec l'amélioration des infrastructures qui se sont gaspillées, qui se sont détériorées, parce que c'était mal fait. Pour cela, il faut anéantir, il faut arrêter, il faut suspendre le ministère ou bien la direction des grands travaux. On a échoué, il faut savoir se remettre en cause dans la vie. Le grand problème chez nous, c'est que on sait que les choses ne marchent pas, mais on persévère dans la mauvaise voie sans état d'homme, comme si tout allait bien. Vous avez vu tout à l'heure, par exemple,
nous, je profite de ce plateau pour nous sommes société civile, nous sommes les ONG, nous travaillons pour appuyer le gouvernement et non contre le gouvernement et non contre le pouvoir. Nous n'avons rien à faire avec la politique. Donc, quand nous donnons une information, le gouvernement, avant de la refuter, doit vérifier. C'est le cas, par exemple, je plaide pour les amis de publier ce que vous payez, qui ont fait un rapport sur le suivi des investissements sanitaires dans notre pays. Quand vous allez à Brazzaville, allez, par exemple, on dit que non, dans le budget, le centre de dialyse de Brazzaville a été construit, équipé. Dans la loi de règlement, l'argent était sorti. Dites-moi, vous êtes journaliste, où se trouve le centre de dialyse à Brazzaville ou à Pointe-Noire? Sauf si le gouvernement a investi, a fait un projet sans écrire que voici, là, ils sont en train de construire un centre de dialyse. À Pointe-Noire, vous avez déjà fait un centre de dialyse. Mais vous allez dans la loi de règlement 2018, tout a été fait, équipé, financé. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Il faut qu'il y ait un avant et après coronavirus. Et on ne sait même pas si le coronavirus s'arrêtera un jour, parce que les recherches pour trouver un traitement ne sont pas très optimistes. Le vaccin, on dit, faut attendre à peu près 2 ans. Les facteurs de circulation de ce virus sont liés souvent à un environnement dit hivernal. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir une résurgence au mois d'octobre. Je suis d'accord avec ce que vous dites, parce que, vous savez, il y a la sagesse du terroir de chez nous. On dit souvent que lorsque vous quittez votre village pour voyager à pied, comme cela se faisait par le passé, vers un autre village, et quand ce qu'en pleine forêt, vous vous perdiez, eh bien, rebroussez chemin. Il nous faut rebrousser chemin pour retrouver la voie qui conduit justement vers ce village, qui est le village, si vous voulez, de la bonne gouvernance et de la prospérité au niveau des citoyens. Mais ce village, c'est aussi celui de l'après-coronavirus, donc celui de l'après-confinement. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère les Congolais? Avec quel modèle? Je pense qu'il faut attendre que le gouvernement... Il faut attendre pour réfléchir? Non, le gouvernement certainement réfléchit à ces questions. Je crois qu'il y a un conseil des ministres qui est prévu, donc attendons voir. Mais ce qui est clair, c'est que les Congolais, notamment les taximènes, les transporteurs, ceux qui vivent au jour le jour, attendent impatiemment que ce confinement puisse se terminer, qu'on mette fin à ce confinement pour qu'ils reprennent leur activité quotidienne. Si aux États-Unis, un pays comme les États-Unis, il y a des gens qui manifestent pour dire halte au confinement, si le président Trump lui-même pense qu'il faut réouvrir l'Amérique, si le fabricant de Tesla décide de remettre en route ses usines en Californie, alors que le gouvernement de Californie a décidé qu'il ne fallait pas déconfiner, c'est qu'il y a un impact économique considérable. En 30 secondes, Clovis Saint-Bosier, parce qu'on me dit qu'il nous reste une minute, est-ce que vous pensez que après ce confinement, le Congo, le gouvernement aura cette facilité de maintenir les prix des marchés à l'équilibre, parce qu'on sait que juste après, eh bien, ça sera tout un attroupement. Et quand on sait que lorsque la demande augmente, eh bien, l'offre galope. Est-ce que le Congo déjà devrait établir, pour ainsi dire, des préalables avant d'entrer dans son modèle économique après confinement? Bon, en fait, ce qui est sûr, c'est que déjà, nous avons des déséquilibres macroéconomiques qui sont aggravés, avec pour conséquence immédiate l'aggravation au même moment du chômage. Donc, on peut dire aussi de l'inflation, si on regarde un peu les prix de quelques aliments de base, les comparons sur une longue durée. Je prends un exemple simple, c'est vrai, c'est pas sur cette base qu'on évalue l'inflation, mais je prends juste le sac de foufou. Donc, qui à l'époque coûtait 10 000, aujourd'hui, vous allez sur le marché, vous avez le même sac de 50 kilos à 50 000. Ce qui n'est pas possible pour un citoyen congolais. Et le vrai problème qui va se poser avec AQT au gouvernement, c'est comment il va faire avec les populations qu'il a mis en confinement pendant 2 mois sans être en mesure de les prendre en charge. Vous avez ceux qui avaient des loyers. Vous avez dans l'économie, nous n'avons pas abordé ici la chance d'aborder la microéconomie. Vous avez les gens du secteur informel qui ne vivent que des ristournes, par exemple. Mais le système a fait que les ristournes se sont arrêtées. Ceux qui avaient déjà pris leur part, ils ont consommé ce qu'ils ont. Ceux qui n'avaient pas encore pris ont mangé leur capital parce qu'il fallait survivre. Quand nous allons revenir sur le marché, tous ces acteurs ne seront plus en mesure. Près de 40% risquent de faire faillite. Donc, il faut que le gouvernement voit comment avec les banques
il peut ouvrir une brèche pour qu'il y ait un fonds qui puisse permettre aux citoyens d'aller contracter des crédits avec la garantie de l'État pour qu'ils puissent relancer leurs activités. Cela permettra d'ailleurs de faire de telle sorte que ceux du secteur informel qui vont accepter ce principe puissent passer au secteur formel en réduisant pour qu'ils soient en mesure de payer leurs taxes. Si on ne fait pas comme ça, vous allez voir que nous allons avoir les émeutes. Pourquoi ? Le propriétaire du loyer, pendant 2-3 mois, tu n'as pas pu le payer. Quand tu vas reprendre ton activité, tu n'as plus l'argent pour le payer. Lui, il s'en fout de toi, il va te foutre dehors. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour que tous ces acteurs économiques du secteur informel qui ont subi un coup fatal, qui ne peuvent pas être soutenus par le gouvernement, vont faire? Donc, il faut qu'il y ait un fonds de garantie pour la relance des activités économiques. Pour moi, ce que le gouvernement peut faire, c'est mettre en place un fonds de relance des activités économiques pour permettre non seulement à ceux qui étaient déjà sur le terrain, mais aussi aux jeunes qui ont des projets innovants de pouvoir accéder au crédit pour démarrer. En ce moment-là, on pourra créer un nouveau système économique qui puisse marcher. Merci beaucoup, monsieur Hassan Bozir. Il nous reste 5 secondes. Malheureusement, 5 secondes, on ne peut que conclure. Mesdames et messieurs, j'étais avec monsieur Alain Akwala Atipo, ancien ministre et ministre des zones économiques spéciales, l'un des départements que vous avez occupé, et monsieur Clova Hassan Bozir, société civile. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci. Modèle économique après le confinement était le thème de ces débats. Je vous retrouve demain pour un autre débat. Au revoir.